L'idée du théâtre participatif, c'est de travailler cette pièce qu'on a travaillée, nous, en amont, en intégrant en fait des femmes des lieux où on va se produire. Donc on fait un travail en amont avec elles et on réinvente du coup à chaque fois un petit peu ce qui va se passer sur scène. Et on a appelé ce projet « Cut, cœur de femme » parce que c'est comme un cœur à la manière un peu de la tragédie antique qu'on cherche avec les femmes. C'est pas des femmes qui vont dire le texte, ça va être pris en charge par les comédiennes de la compagnie, mais avec elles, avec ces femmes, on travaille vraiment sur comment faire cœur, comment faire groupe, ou comment isoler une personne, ou comment faire de tout un même corps organique. Donc c'est sur les singularités de chacune et en même temps sur un ensemble. Et c'est un travail évidemment artistique, mais aussi humain. Nous participons à ce spectacle grâce au Centre Social et ça nous permet, les femmes, de s'exprimer et de nous exprimer de tout ce qu'on ressent dans la vie qui n'est pas toujours évidente et qui n'est pas tous les jours drôle. T'as pas joué alors? Alors non, tu vois, j'ai pas joué, mais c'est pas grave, chérie. J'ai quand même dit, c'est pas grave, chérie. Bah non, parce que je croyais, il a dit encore, parce que tu faisais en, alors je croyais que t'avais joui, j'avais cru. Non. C'est une façon de voir la sec d'une autre façon. Non mais c'était très bien. Ah, je sais pas comment vous dire, mais ces femmes m'ont émue. Les choses sont déjà difficiles, hein, lorsque, petite fille, on essaye simplement de voir ce qui nous appartient là. Bien caché entre les plis. Il faut être acrobate ou se servir d'un miroir. Il faut se tordre pour voir ça. Je ne suis pas acrobate. Hein. Et même ça donne envie de rien, de regarder comme ça, de rien être, d'être une vaurienne. C'est malin, mes mains sentent le diable maintenant. Formidable. Très émue et en même temps, c'était vivant, c'était voilà, formidable. Et bravo, c'est beaucoup de courage et beaucoup d'intensité. Ouh, Bernard ! Le string élastique, et les talons aiguilles, la culotte en serpent, et le panier en croco, et le manteau de fourrure, et les bottes en poulain, le sac de chez Machin, le tailleur signé de, et la petite robe noire, et le string élastique. Pour toi, mon chou, je te fais la totale, que tu meurs avant d'eux, que tu pleures sur mon cou. Pour toi, mon chou. Le string élastique. Quand Bernard vient à la maison, je lui fais, enfin, je me fais jolie. Oui, enfin, je lui fais la totale. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et effectivement, j'étais vraiment enthousiasmé en plus, parce que c'était bien interprété, y compris par les acteurs, qui n'étaient pas d'ailleurs des acteurs... voilà. En tout cas, merci. Così, hey, sei il mio, io, tu, te. Comme ça, c'est... Tu es mon, je, tu, toi. Il faut oser. Et puis, tout l'ensemble, je veux dire, aussi bien les postures des personnes qui étaient un petit peu en retrait que les trois personnes, les trois comédiennes principales qui ont une voix qui passe très très bien. Enfin, c'est un sujet en tout cas qui était très, très bien traité, très bien abordé, avec des points d'humour, de la sensibilité. Oui, je crois que je suis une femme heureuse. Oui. Je crois que, mesdames, tout va bien.